Madame Nounis, vous n'en avez pas terminé, puisque vous allez verser des subventions sur les projets pédagogiques des écoles. Tout à fait. Donc, en plus de ce qui est proposé dans le cadre du PEDT, les équipes éducatives peuvent aussi nous faire parvenir des projets autres. Et c'est le cas, puisqu'on a été sollicité par l'école maternelle La Fontaine, l'école élémentaire et puis Camille Claudel pour l'école maternelle et l'école élémentaire. Le but, c'est de vraiment, là aussi, encourager les projets donc au sein des équipes éducatives et de permettre à des enfants de profiter de sorties scolaires, d'accueil d'artistes. Par exemple, il y a eu accueil de dessinateurs de bandes dessinées, accueil de professionnels, par exemple, sur des projets cirque. Donc cette subvention, elle sert à ça. Donc le montant total qu'on a décidé d'allouer est de 2275 euros. Vous avez le détail, je ne sais pas si c'est nécessaire que je vous le fasse. Et donc cette somme est inscrite au budget 2023. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ces projets ? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Merci.